On va maintenant passer la parole à Philippe Lemoine, le président de la FING, qui est en ligne sur Zoom depuis Marseille. Donc, Philippe, si tu nous entends bien, c'est à toi. Je voudrais juste donner rapidement trois messages parce que lorsqu'on parle de loin comme ça par Zoom, on sait tous que c'est pas les messages les plus longs qui sont les meilleurs. Et pour remercier l'EM Lyon de nous accueillir aujourd'hui et plus généralement pour me dire que je me réjouis vraiment que de ce partenariat qui est en train de se monter dans l'esprit d'une sorte de coalition en fait entre la FING et l'EM Lyon avec beaucoup de perspectives qui viennent d'être rappelées et qui me semblent très très positives. Pourquoi c'est mon deuxième point, c'est vraiment important, c'est parce que il y a un problème, un enjeu citoyen derrière ce que nous faisons avec le programme Reset, de dire il faut que nous passions d'un numérique subi à un numérique choisi. D'un numérique que nous subissons, un numérique que nous voulons et que nous définissons. Mais à côté de cet enjeu citoyen, il y a un enjeu cognitif. Et je crois qu'il est important qu'un lieu d'enseignement et de recherche comme le Lyon Business School s'associe de près à nous. C'est que le numérique a été vu, comme ça vient d'être rappelé, comme une sorte de facteur de progrès extrêmement important. Mais quand on le relie de près à de différentes évolutions sociales, on voit qu'on peut avoir aussi une vision qui est caricaturalement le contraire, dans lequel on a l'impression que le numérique s'associe à tous les travers les plus négatifs de l'évolution de la société, et notamment lorsqu'on essaie de rapprocher une vision écologique, les enjeux écologiques et les enjeux numériques, il y a une façon qui ne serait pas tout à fait satisfaisante, qui est de dire bah, finalement le numérique est le symbole même des technologies industrielles les plus condamnables. Le numérique suscite les plus grandes mégapuissances monopolistiques du monde. Il contribue à ce que Hartmut Rosa appelle l'accélération sociale plus que tout autre. Il y a le développement des fake news, de la haine en ligne, etc. Il y a la taylorisation du travail avec la précarisation avec les formes d'ubérisation et compagnie. Bref, le numérique, c'est entièrement du côté de l'évolution que l'on critique le plus quand on est concerné par les enjeux sociétaux et écologiques. Et ceux qui travaillent depuis un certain temps sur le numérique savent bien que ce n'est pas ça entièrement le fond des choses sur le numérique, et que derrière le numérique, il y a depuis l'origine une promesse d'horizontalité, une promesse de pair à pair, des évolutions qui sont assez importantes, mais ceci est inaudible. Et ceci est inaudible tant qu'on ne fait pas la preuve que l'on peut, que les acteurs sociaux peuvent agir sur les choses, peuvent agir sur le destin, et faire en sorte que une autre vision du numérique soit pas quelque chose de purement abstrait, mais quelque chose de plus concret, quelque chose qui est en acte. Et donc ça, je crois que c'est assez important aussi pour rééquilibrer notre vision du monde et voir que, je pense notamment entre l'écologie et le numérique, il y a des rapports de proximité très grands et que, en fait, on a une évolution très forte de notre rapport à la biosphère et de notre rapport à la noosphère et qui sont comme les deux faces d'une même médaille et qu'il faut arriver à penser simultanément. Et pour ça, c'est le dernier point que je voulais aborder. La méthodologie que l'on a définie, celle des coalitions d'acteurs hétérogènes, est une méthodologie que je crois très efficace en termes d'action, mais aussi du point de vue cognitif. Il se trouve que j'anime une autre fondation à côté de la FING qui s'appelle le Forum d'Action Modernité, qui a été, il y a une dizaine d'années, le correspondant en Europe de ce que le président Clinton avait monté, qui s'appelait la Clinton Global Initiative, et qui reposait sur le fait de monter des coalitions d'acteurs. Et j'ai vu la puissance. Il y a eu plusieurs centaines de coalitions d'acteurs qui ont été montées sur les enjeux, notamment liés au développement au niveau international. C'était vraiment extrêmement intéressant. Mais il y avait quelque chose qui était, m'avait-il semblé, assez faux dans le raisonnement. C'était la baseline même de la Clinton Global Initiative, qui était Turning Ideas into Action, transformer les idées en action. Bon, aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est le contraire. L'enjeu majeur, c'est turning action into ideas, transformer des actions en idées. Et donc, quand on met en œuvre des coalitions d'acteurs hétérogènes,
on se lance dans l'action et on crée une sorte de vivier de réflexion pour les idées, pour les conceptions nouvelles, pour la manière de penser mieux et autrement l'avenir du monde, qui est, je crois, un des enjeux auxquels la coopération entre un acteur comme la FING et le M-Lyon peut donner beaucoup de perspectives. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction, et je vous souhaite une très bonne journée d'échange et de travail. Merci beaucoup Philippe de ces propos. Merci à Françoise et à l'EM Lyon de nous accueillir.